Re YouTube, après une petite pause, hop, on peut continuer ce Mario Galaxy 2. Et on va commencer tout de suite. Hop là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Tam 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 tam. La fouille aux étoiles d'argent. Ah oui d'accord, ça va être récupérer... ouais, c'est ça. Récupérer les 5 étoiles d'argent. Argent! J'ai 5 secondes de lag, merde. Si je parle pas... Quoi? Attends. J'ai 5 secondes de lag, merde. Mais si je parle pas, ça devrait suffire. Ok. J'ai pas compris. Quoi? On a des vilains Mario? Zut, ça a coupé. Ça a coupé, chérie. Attendez. Bah. Attendez. Ok. C'est obligé à chaque fois. À chaque fois, eux, je vais me faire avoir. Ça va être bien relou. D'après mon enquête, une étoile d'argent a été repérée par là. Sur mes calculs, quand on ramasse 5, elle fusionne pour devenir une étoile normale. Grande, super. Ah, le génie!
pas faire de long jump là, pourquoi? Ok, là on retombe forcément. À l'heure. Bah. C'est bon, j'ai trouvé l'angle. J'ai trouvé l'angle qu'il fallait. Il fallait un angle très précis. Ah! J'étais pas loin. J'étais encore pas loin. Merde, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Je sais pas si on peut se débarrasser d'un... Faut que je me fasse toucher en fait si je veux me débarrasser du truc. Ouais. Attendez. Comment je peux me débarrasser du truc là? Je peux pas. Attendez. Ah non. Ça le déclenche forcément le bazar. Bah c'est là en fait. Oui. Qui est bête? Mais qui est bête? Mon dieu qu'il est bête. À la pam. Ça me prendra. Chanter mal. Pourquoi j'arrive dans les dans la salle des machines. Bon moussaillon, ouvre grand tes pavillons, je leur pèterai pas. Il y a un toad qui s'est mis en tête d'amasser les fragments pour les garder en sûreté. Monsieur se prend pour un banquier, tu vois le genre. Donc voir ce qui ce Gugus mijote. Nous ramène quoi de beau cette fois, moussaillon? C'est un forêt, c'est ça? Eh, tu vas pas faire des trous dans la coque quand même? Alors, faut que j'aille voir. Il y a des banquiers, quoi. Il y a des banquiers dans le jeu, quoi. Allez! Merci. Il y a des taux de banquier quoi. C'est lui? Toi le banquier? Non. Ah bah non, c'est lui alors. Mario, écoute ça, j'ai ouvert une banque. Grâce à moi, tu peux faire tâcher un joueur qui utilise un autre fichier de sauvegarde. Super, non? Oh, bien sûr, si tu joues tout seul, simplement garder tes... Ah! Ah, merci!
Merci mon autre fichier de sauvegarde. Ah mais ouais. Oh ça va être tellement... Ah ça par contre ça va me faciliter le jeu quoi. Je vous l'annonce hein, on va tricher hein. On va évidemment tricher vu que j'ai 10 000 balles sur mon compte. Ça va tricher à mort. C'est bien que j'ai gardé ma sauvegarde, ma première. En fait je me tâtais en me disant est-ce que je la supprime ou pas. Finalement non. C'est bien. C'est bien que je l'ai gardée. Très très bonne idée hein. Ça fait très ambiance Yoshi au niveau. Le reste de ma brigade est en bas. D'accord. Super pour eux, hein. C'est bien. Je suis ravi. Je me demande à quoi sert le gros bouton. Et ben on va appuyer dessus. Ah oui, d'accord. Donc maintenant il va pouvoir se faire, regardez, hop, il avait un gros pic avant. Maintenant il a plus le pic. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, j'ai déconné en fait. Ah non. Fait que je prenne le tuyau ou pas? Ah! Non? Oh non! Ah oh non, ils ont remis ça. Bienvenue dans la déchetterie de la galaxie. Il y a tant de caisses que j'en perds les boulons. Tu veux bien m'aider en les brûlant le plus vite possible? Ah parfait, au travail mon petit, fais rouler tes mécaniques. Pas grand chose hein. Merci mon garçon, tout est en ordre. Tiens, pour la peine, voici cette étoile. Ah, si tous les jeunes pouvaient être aussi serviables que toi. Super. Super un vieux con. Vous savez ce qu'on appelle con avant, les vieux cons. Dans la vraie vie, le compte, non. Non, non, les 10 000 boules, non. Non, non, malheureusement, non. Qu'est-ce que j'aimerais? J'ai eu hein, j'ai eu pendant un temps, voire plus. C'est pas resté longtemps. Ah mais du coup je suis sorti en fait du niveau ouais. Allez on rejoinde. Youhouhou. Ah ouais, j'ai déjà vu.
Alors, est-ce que je vais pouvoir? D'après vous, est-ce que je vais pouvoir? Merde. Dommage. Et on fait le plein de pièces. Quoi? Tout de même, je préfère. Alors. Ne tombe pas. Ah bah merci. Merci Captain Obvious hein. Aïe. Bon, j'ai vu que... Ah merde. Attendez. Ah merde. Fallait juste que je me laisse tomber en fait. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Non. J'ai refait la même que tout à l'heure. Le mec il n'apprend pas de ses erreurs quoi. Non, c'est ok. Non, c'est ok. Ça n'a rien passé. Je l'ai foiré là. Voilà. Là, je l'ai réussi. Il y a la gestion de la gravité dans ce Mario quoi. Qu'est-ce que quoi? Non, fallait le voir que ça changeait. Hein. Ah d'accord.
Hop. Tan 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 tan. On va dire que la vie, on s'en foutait. Pouet 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 pouet. Galaxie terminée. Ok. Donc on sait qu'il y a une petite couronne quand les galaxies sont terminées, donc là ça veut dire que ouais, bah, je vais avoir des comètes farceuses à un moment ou un autre quoi. Terrasse des rigolonimbus. C'est des sortes de nuages. La disparition du capitaine. Capitaine de mon capitaine. Pam pam pam. Ok, voilà, je vais parler au Toad, mais ça va être pour me dire, ah oh là là, le capitaine a disparu, vite, vite, Mario, fais quelque chose, on ne sait pas quoi faire, merde. Ah, voilà. En voilà une chose qui allait bien. Lire. Changer la vue. Oh là là. C'est tellement pas pratique. La croix, elle est tellement loin. Ah bah. Bien wesh ça. La croix, elle est tellement loin. Que c'est genre l'un des trucs les moins pratiques au monde, quoi. Notre mission, remettre la main sur l'étoile. La capitaine Abrigato apprendra sûrement le voleur. Aucun doute là-dessus. Non, bah non, il a même pas peur, lui. Oh, j'ai décollé, là. Pam 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 pam. Il y a un monsieur. Je suis sur les nuages. Allez, je me rappelle, il y en a un nombre limité par contre. Il est doué, hein. Il n'y a pas à dire, il est doué, hein. J'ai failli, hein. Est-ce que je peux recommencer? Ah non. Il faut ressortir du niveau. Oh là là. Allez, on va se dire que c'était rien du tout. Ça servait à rien. Un peu con cet oiseau quand même. Hein. Aïe. A toucher l'eau, perdre nuage. D'accord. Ah oui, on peut pas monter sur les nuages si on n'est pas Mario nuage. C'est vrai. Sinon on est trop lourd.
D'accord, ça va servir à rien quoi. Putain, il te snipe, dis donc. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Astuce, tu veux voir comment on fait pour marcher sur les nuages? Non. Hop. Jungle booger. Comme j'ai failli faire le con. Il y a un trou dans la barrière là. Faut arrêter d'essayer de tout le temps. Si, il y avait un truc hein. Holy shit, il y avait un truc. Ah mais genre fallait que j'arrive ici encore avec des nuages. Enfin, fallait le savoir quoi. Oh c'est bon. Finalement. Avec des petits sauts assez précis. Tiens, la cascade, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y avait un typhon. Je sais plus où. Et en fait, c'était assez simple de voir que le typhon est en train d'arriver. J'ai vu une vidéo. Il y a en fait une cascade qui allait à l'envers. Je sais pas si vous voyez à peu près comment ça marche une cascade de manière habituelle. Une cascade, en fait, c'est de l'eau qui descend. Elle est tout en haut de la montagne, la flotte, et elle descend au fur et à mesure. Voilà, c'est ce qu'on appelle couramment une cascade. Et en fait, là, le typhon était tellement vénère qu'en fait, le typhon est en train d'aspirer l'eau vers le haut. Et donc, la cascade, en fait, il n'y avait plus d'eau déjà qui coulait dans le bas. Et l'eau, en fait, avait même tendance à remonter. Je pense que ça fait un peu flipper quand vous voyez une cascade que vous connaissez et qu'il y a l'eau qui remonte. Vous commencez à dire il y a un truc qui va pas là. Bisous bibi. Putain, elle était nulle ma... Elle était nulle mon histoire ou quoi? Là, je raconte un truc que j'ai vu et on me dit bah, bisous. Ça devrait vraiment être à chier. Hein. Je raconte mal. C'était l'histoire du soir.
Bah des bisous Bibi, repose-toi bien. Parce que le repos, c'est important. Un singe à lunettes. Un lunette de soleil m'a proposé de faire la course, et puis pff, j'ai perdu, je reviens pas. Capitaine se doit d'être dans une forme irréprochable. Un singe et deux faucons. Ça sert à rien. Regardez! Ça a que dalle les nuages. Quel le singe. Yo man! Yo man! Ah, t'es monté jusqu'ici? T'as du style, mon pote! Vous savez, c'est les. Les jeunes de 50 ans. Qui veulent parler comme les jeunes des années 90. J'ai commencé Sex Education 3, tiens. Ah oui, ça y est, ça a repris. Enfin, un adversaire qui a de la classe. Je te donne un mot-clé sans spoiler, mais j'ai éclaté de rire. Micro-ondes. D'accord. Tiens, prends cette étoile. Quelque chose me dit qu'on va se recroiser, toi et moi, à plus, man. Je verra. Bah ouais, je verra. Ouais. Bon, du coup, c'est la fin de ce stream. Faut que j'aille voir Gillian. Faut que j'aille voir Gillian. Barrez-vous. Barrez-vous, allez ailleurs. Moi, je vais voir Gillian. Je sais pas ce que vous foutez là, hein. Dig it in. Oui, j'ai ramené d'autres trucs. Je vois que t'as ramené un genre de souvenir flottant. Comment une fleur nuage? T'as le chic pour questionner avec des trucs bizarres, Moussaillon. Elle est divine. Oh. Oh. Je vais encore fantasmer. C'est pas bon pour mes points de suture, ça. Hein. L'accent surjoué de bourgeois en plus. Trois épisodes, j'ai fait, je crois. Ah, et puis ils ont balancé toute la saison, quoi. Ah d'accord, c'est direct. Un manoir menaçant. Des premiers signes de Gargantulus. Ok, bah on va voir ça. Hein. Ah, j'ai vu. Regardez, on voit le médaillon. Mais merde. Merci quand même. Ah bah. Non. Ah merde. Ah. Eh, première session de jeu, par contre, j'ai déjà 44 vies. Hein. Je pense que je vais vite arriver à 99. Hein. Non mais saute. Merci. Mario, qu'est-ce que tu fous? Voilà. Il suffisait juste de faire ça en fait. Non, ok, mec!
Vous avez vu le Kamek? Genius, t'es où? Il y avait un Kamek. Merci, merci Genius. T'es pas là et... Ah je me jette dessus. Ah bah je me jette dedans. Je me jette dessus puis je me jette dedans quoi. Non mais les panneaux ils servent à rien là. Non, il y a encore un Kamek. C'est bon. Ah voilà, petit champi. Palapap, palapam. Palam. Regardez, c'est le fiston. Mouahaha! Tu as réussi à venir jusqu'ici, hein? Qu'est-ce que je lui avais donné comme voix à lui? Qu'est-ce que je lui avais donné comme voix? Ça, mais en moins pire, en fait. Non? Parce que là je suis quoi? Je suis comment? Ah c'est dans l'autre sens. Ah ah ah. Oh oh. Un peu de réverb. Voilà. J'ai pas besoin de mon papa pour me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Gargantulus, le dîner est servi. Tu as toujours tes problèmes d'estomac non? Alors protège bien tes gros bourrelets si sensibles. Putain il m'a traité de gros. Putain un petit connard. Il m'a traité de gros. C'est grossophobe en plus. Ah je me rappelle lui. Faut lui taper dans les nœuds. Fou. J'avais mieux que ça hein. Ouais bah il me semble bien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh j'ai loupé. Quel con je l'ai loupé. Plus aigu, tu vois c'est un métier David Guetta. On voit rien par contre. Ah merde, je l'ai pas vu venir ça. Ah du coup j'ai tout loupé. Bah je peux pas le faire en sautant. Ah non mais c'est dégueulasse là. On voit rien. Il est où le dernier nœud? Il est là le dernier nœud. Le dernier nœud est quasiment à la fin. Voilà. Shenron. Il y a Shenron, il est mort. Oh, regardez, c'est une super étoile.
Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette, pouette. C'est le dragon de Breath of the Wild en gros et moche. Je trouve que ça ressemble plus au dragon de Dragon Ball, moi. Un portail vers un nouveau monde est apparu. Vous avez trouvé une grande étoile. Manoir menaçant de Bowser Jr. Les problèmes digestifs de Gargantulus. Ouais. J'ai en plus trouvé le... Le médaillon. Super petit gars, tu nous as rapporté une grande étoile. Son pouvoir va nous permettre de voyager jusqu'au prochain monde. Et ça, petit mousse, ça nous rapproche de ta princesse. Alors, t'es prêt? Voguons vers un monde inconnu. J'ai pas envie, moi. Putain, ce gouvernail qui est énorme, quoi. J'ai pas l'impression que Mario soit si petit que ça, quoi. Parce que là, Mario, il fait 1m20, quoi. Ouah, regarde ça, Moussaillon. On a dégoté un nouveau monde. Il doit y en avoir des étoiles par ici. En avant toute, petit mousse. L'aventure nous attend. Si je retournais là. Voilà. Si je veux... Oh ! Ah par contre ça c'est bien. Ah voilà. Ah ça ils ont rajouté ça, alors ça. Ça par contre les gars, merci. Merci. Infiniment. D'avoir rajouté la liste. Des étoiles. Comment ça se fait que j'ai pas eu le médaillon là, sur le premier ? Je veux mon médaillon moi. Comment je peux savoir où il est où le médaillon? Je peux pas savoir, j'ai pas envie de me taper le niveau pour rien quoi. Peut-être qu'on saura après. La scierie sidérale. Est-ce que vous savez dire scierie sidérale 5 fois de suite, très vite. Le casse-tête en bois. Ah oui! I remember. Yes. Ah, direct. Ok, ça me va. Je l'aurais eu du premier coup. Genre je l'ai peut-être eu du premier coup, ouais. Ah. Autant dans le 1, ces machins-là, ils étaient simples. Autant dans le 2, ils sont vraiment limites. Hein. Dans le 1, c'était vraiment la simplicité. Mais là, ça déconne plus. Hein.
qu'il veut, lui. Je suis affamé, tu me donnes 70. 70, mais j'en ai 9. Quoi. Ouais, d'accord. Et merde. Ah, j'ai déconné. Ah, j'ai déconné. J'ai tellement déconné. Ouais, 63. Ah 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 ah, 68. Attendez. C'est combien qu'il veut? Oh non! Ah merde. T'as une près, quoi. Il va falloir revenir. C'est dommage. Ah merde! J'avais pas vu qu'il fallait que je me dépêche. Lui, on va rien lui filer parce que je pense qu'on va réussir à faire le boss sans. Ah, dommage. Je suis coincé. Et là, paf, le boss. Il est pas content, hein. Aïe. Ah, j'aurais peut-être dû prendre quelque chose. Mais non, mais...
Ok, donc c'était vraiment pile au bon moment, quoi. On va revenir avec avec les 70 pièces là. Oh putain, comment on a chié dans la glu quand même. Ah, il va vouloir me redire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il brasse, lui? J'ai fait quelques ajustements à la carte au gré de mes escales. À mes étoiles, j'ai dit un œil. Quoi? Ah. Eh, d'accord, on peut... Ça, c'est la carte de l'univers. À ce pouvoir d'une super étoile, on peut traverser le temps et l'espace, voyager d'un monde à l'autre. Enclencher la vitesse de l'émir. Tu connais le cap, Matelot? Ah, je peux aller directement à un niveau en plus comme ça, quoi. Ah, oh, c'est pratique, quoi. Oh, ils ont bien fait, quand même. Donc, je peux aller sur la carte, voilà, en manière normale. Ou comme ça, quoi. Ok, allez, let's go. On va refaire l'autre. Ta-ta-da-na-na. Voici, on va essayer de pas se gourer. Si possible. Ça, je récupère bien évidemment. Ah, c'est toujours au même endroit par contre. Ah mais arrête! Putain, je vais me faire toucher à cause de la caméra, quoi. Dommage. Ok, bon. Zébardi. On va essayer de pas se foirer cette fois-ci, hein. Ah! Te foire pas, mec! Te foire pas! Yes.
Non mais tu m'as déjà brassé tout à l'heure. Ouais, il me semblait bien. Hein. Il me semblait bien que c'était raid sur Galaxy 2 en fait. Ce genre de truc là en fait, à chaque fois fallait vraiment... Enfin, c'était à la limite quoi. Parce que là j'ai tout chopé. Vraiment toutes les pièces qui sont possibles depuis le début du niveau. Et genre j'en ai eu 70, 72 quoi. Et il en fallait 70. Donc c'est vraiment limite de chez limite quoi. Quoi? Attendez, je vais y arriver un jour. Voilà, c'est bon. Vous avez vu? En fait, il n'y a pas besoin du... Ah si, il y en a besoin maintenant. Ah d'accord. Mais je sais pourquoi. Ah, je peux faire comme ça par contre. Ok, j'ai compris. Merde. Merde. Bah oui, évidemment. Mais je vais y arriver. Regardez. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Ah là là. Le mec est pas doué. Quel gros sac. Et un jour j'en ferai pas exprès. Hein. Allez reviens. 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 Elle vient par là. Non mais genre il a fait un demi-tour là. C'est long. Hein. C'est long. Hein. C'est long, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Je pense qu'il y a ceux-là, va falloir les faire en mode temps limité. Ça va pas être drôle. Genre ça va pas être drôle. Et il brasse. C'est ce que d'autre que tu as ramené, comme j'ai l'impression qu'il se prend pour un facteur. Et brasse tous.
Ouais, non, mais j'ai compris, ouais. Ah, tiens, tu voulais pas lui coller un temple sur le clapet pour ma part? Mario, j'ai décidé de me reconvertir dans la distribution du courrier. Les autres premières lettres à distribuer t'es adressée. Cher Mario, des allées-lumières nous séparent à l'heure qu'il est, mais tout va bien, je sais que nous verrons bientôt. PS, tu joues un petit cadeau, j'espère que ça sera plaisir. Signé Peach. Champignon. La princesse est prisonnière, mais elle envoie quand même des lettres ascensionnées. Bien, reprenons. Merci d'utiliser les services de Toad Factor. À prochaine. Ça m'a vraiment aidé, hein. La mine. On va aller à la mine. Tatou boule des boules. Ce nom est nul. Salut Chrisou, merci beaucoup. Merci pour le raid. Bienvenue aux Raiders. Et oui, je ne joue pas à Horizon. Je ne joue pas à Horizon. Je sais, tout le monde est étonné. Mais ça m'arrive. Promis, je ne suis pas... Je ne suis pas un... un streamer exclusivement Horizon. Es-tu sur quoi, toi, du coup, Chrisou? Oh là là, merci Chrisou. Bah, oh là là, mais Chrisou qui raid, puis qui sub. Merci pour ton 4e mois. Ça me fait très plaisir. Et donc du coup, t'étais sur quoi, toi? Bah ouais, bim! Oh là là. Magic puis Zelda. T'en es où, d'ailleurs, de... Parce que j'imagine que t'es toujours sur... T'es toujours sur Zelda... Skyward Sword, j'imagine? Ça avance. Vers la fin normalement, ok. Comme moi et Horizon, quoi. On n'a jamais été aussi proche de la fin, quoi. Ah merde! Ça casse les barrières par contre. Ah! Non mais reste là toi! Ils veulent pas mourir les ennemis. Pourquoi les ennemis dans Mario ils veulent pas mourir? Ok. Si tu es en mauvaise position, oui, ça je sais. Ah ouais, ça s'arrête au bout d'un moment. Aïe. Non mais con...
Tiens donc. Hey, salut Avorpal, comment ça va? Ah! Tu vas te pioter? Bah des bisous. Fais de beaux rêves. Non mais les voilà. C'est marrant, j'ai recommencé car j'ai jamais fini à Outer Wilds et graphiquement ça ressemble à Mario Galaxy. Ah. Ouais bah ouais. Ah, on spoil pas hein, parce que j'ai envie de le faire juste derrière donc un bear pal. Eh, faut pas oublier Way Out aussi. Il était fini ou j'ai raté? Ouais non, on l'a fini hein. D'ailleurs Outer Wilds, best game ever, il t'intéresserait pas? Bah c'est j'hésite. J'hésite après Horizon en fait. Ah, j'avais proposé en fait 3 jeux. J'avais proposé Horizon, Control et Outer Wilds. Et les gens avaient dit Horizon en grande majorité, donc c'est pour ça que j'ai commencé Horizon. Mais là pour juste après Horizon en fait, je sais pas si je fais Outer Wilds ou si je fais Control. Mais il y a le DLC qui sort bientôt de Outer Wilds. Hein. Si je ne m'abuse. Donc oui, non, Outer Wilds, ça m'intéresse et il va être fait. Je crois que pour celui-là, je vais faire un replay. Ouais, il est sur ma chaîne YouTube. Hein. Bah, écoute, fais Outer Wilds, on pourra en parler, c'est vraiment un jeu du génie. Il paraît, enfin, j'ai vu 2-3 streams, mais j'étais pas très concentré en fait quand Shishayu le streamait. Mais a priori, ouais, dans Shishayu, dit que c'est l'un de ses jeux préférés ever, quoi. A priori, le jeu est pas trop dégueu, quoi. Ah, donc ça marche pas. Voilà, a priori, c'est dans son cul qu'il faut taper. Donc du coup, ouais, je sais pas si je le fais après, juste après Horizon, ou si j'attends le DLC, finalement. Oh là là, juste au moment quoi. Juste au moment. On dirait les ennemis dans Horizon justement. Qui met vite juste au dernier moment. Je sais pas trop comment ils font mais ils y arrivent. Ah merde, il en fait 3. Hop. Il sort le 28 décembre le DLC. Ah oui d'accord, donc c'est bon quoi. Et tu peux le commencer à tout moment avec ton aventure, donc ça peut le faire côté timing, ouais. Ouais, le temps que je termine Horizon. On a Diablo 2 aussi. C'est pas le 27 ce Diablo 2? J'ai dit décembre, non j'avais bien lu septembre. Hein, j'avais bien lu septembre. Mais j'ai dit décembre, d'accord. Et Diablo 2, c'est à la fin du mois aussi. Hein. Oh, y a trop de jeux. Ça y est, y a trop de jeux qui sortent.
Cette fois, on t'a ramené une pierre. Non, c'est toi que t'as ramené une pierre. Impressionnant, petit mousse. T'as dû chercher longtemps, dis-moi. Ça, il se fout de ma gueule, lui. Hein. Franchement, s'encombrer de tous ces trucs inutiles, ça me dépasse. C'est le 23 septembre pour Diablo. Oh là là. Oh là là. Ah, mais c'est bientôt. C'est dans 6 jours. J'avoue, en ce moment, c'est la folie des jeux. Faut avoir une capacité d'abstraction pour ignorer tous ces merveilleux jeux. Ouais, non, mais j'ai eu Celdel. Il y a Celdel qui est venu me parler et c'est pareil. Il me disait que là, il en pouvait plus, quoi. Il en pouvait plus parce qu'il y a tellement de jeux qu'il attend depuis des années. Et tout le monde sort en même temps, quoi. Donc, il est en train de péter un plomb. Tiens, on dirait bien que t'as trouvé un goinfre Luma. Il porte bien son nom. Prépare ta tunasse. Jouer à Lost in Random. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Est-ce que, Genius, tu aurais pas un lien vers un test de ce jeu, par hasard? Ah voilà, je suis repu. Attention tes yeux. Transformation! Le jeu qui est sorti la semaine dernière. Genre, le jeu qui est sorti. Genre, il n'y en a eu qu'un. Un jeu qui sort de merde. Merde. Ah merde, je troll. Le troller se fait troller. Vous avez vu comment le troller se fait troller? Et bien comme ça. Et bien comme ça, tout simplement. Ah merde. Non mais je... Non mais on s'est mal compris. On s'est mal compris, Genius. On s'est juste mal compris, c'est tout. Ah merde. Ah oui! Oh, regardez, c'est les niveaux où il y a... où Yoshi a le feu au cul. On n'arrive pas à choper les fragments qui sont loin, quoi. Un jeu d'aventure avec un système de combat complètement inédit à base de deck building, mais en temps réel. L'histoire et l'ambiance sont incroyables. C'est un truc avec des cartes? Putain, moi les trucs avec les cartes, putain, j'en ai marre. Il y a la moitié des jeux qui sortent en ce moment, c'est des cartes, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas ça les jeux avec des cartes. Là, c'est mieux que les autres jeux à cartes. Ah ouais? Attention, parce que la dernière fois que tu m'as conseillé un jeu, Genius... Oh non, Yoshi, il est tombé! Non, regardez, il est revenu là. Je te l'ai offert, Nuance. C'est pire. C'est pire. Ah, il y en a un autre là. Reviens! Reviens Yoshi, déconne pas!
T'as joué finalement au fameux jeu que tu m'avais offert ou pas? Qui a pas joué finalement? Non. Ah merde. Pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Tu reçois des clés, tu reçois des clés, tu joues pas au jeu. Je sais, c'est mal. Bah, honnêtement, vu le jeu, je vais pas te jeter la pierre. Hein. Je vais y arriver un jour. Hein. Promis, je vais y arriver. Je sais qu'on pourrait passer par un autre chemin, mais j'ai pas envie. Mais c'est inferno. C'est inferno cette connerie. On voit rien en plus, c'est ça le problème en fait. Ah oui, on va y arriver. Promis à un moment. Entre pas de presse et mauvaise presse, gros dilemme. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est, oui, c'est pas con. Qu'est-ce qu'ils vont préférer d'après toi? Bon allez, là on est bon là. Cette fois-ci c'est la bonne, vous allez voir. Faites-moi confiance. Cette fois-ci on est bien. C'est bon, j'ai réussi à revenir sur le... Quoi? Putain, ça m'a éjecté, quoi. Attends, si je fais ça... Je suis tellement en retard. Putain, mais comment on fait? Est-ce que je peux sauter dans cet état-là? Il y a un truc, hein. Ça se trouve, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je l'ai loupé. Oh merde. J'arrive enfin à faire le truc, j'ai loupé. Bon déjà c'est sûr qu'il y a quelque chose là-haut quoi. Me dis pas que j'ai fait ça pour une vie. Jusqu'ici, ça veut dire que j'ai carrément joué. Tiens, regarde un peu. Contemplation de Spéchache, Chip les Chips. Je te rappelle que les moindres pièges sont chez important. Super, ouais. Je. D'accord. D'accord. J'ai fait ça pour rien. Enfin, pour quasiment rien. S'il me dit ça, je pense que c'est parce que doit y avoir un goinfre plus haut. Il faut vraiment récupérer toutes les pièces, quoi. Merde. Ça commence mal, là. Oh, le pauvre Yoshi.
Alors que, adieu Yoshi. Désolé. Désolé Yoshi, hein. Non, je l'ai pas eu. Voilà. Voilà. On va passer tellement de temps sur ce niveau. Au moment où on va l'arrêter. Hein. J'ai eu les pièces. Ah. Alors. Oh, je l'ai pas eu. J'en ai loupé une. J'en ai loupé deux. Merde. Ah mais je vais crever. Mais j'ai pas envie de mourir en fait. J'ai pas envie de mourir dans un stage bonus. J'ai tout loupé. Non ! Il y avait un... Oui. Je viens de voir ta blague, vous êtes jaloux parce que je suis beau sans barbe aussi. On n'a pas dit le contraire. Hein. Oh, je reviens à zéro pièce. Oh l'enfer ! Oh l'enfer, faut aller jusqu'au bout sans mourir quoi. Je crois me rappeler de ce niveau hein. Bah vous m'avez pas entendu dire de merde mais Regardez. Mais t'en fous toi ? 30. Ah putain, je les avais quoi. Putain, faut arriver là juste sans crever quoi. Bon, déjà j'ai chopé le médaillon. La barbe, c'est la sexitude. Pas dégueu sans barbe en vrai. Regardez. Son petit côté Lorenzo Lamas là, le rebelle. Hein ? Attendez. Ah non, là c'est si on tombe, d'accord, ok. Je viens de comprendre le jeu. Voilà. Pam. Padapam. La course pimentée. Combien il en fallait? 30? Oh la brasse quoi. C'est Peach en plus. Ah non, yo man, c'est moi, tu te souviens? J'ai inventé un nouveau jeu extra. Je t'attends dans la galaxie des terrasses des rigolos d'un bus. Te dis Binpa man. Ouais, merci le facteur.
Surtout bizarre, parce que la dernière fois que je me suis vu sans barbe, j'avais 10 ans de moins, je pense. Ah oui. Ah oui, forcément. Qu'est-ce qu'il va me parler, lui? Allez, 30. 30. Alors eux, du coup, faut que je les bute en leur sautant dessus. Genre pas comme ça, quoi. Voilà, parce que vous voyez, ça fait déjà des pièces. Bon. Maintenant. Oh là là, j'étais presque. Vous avez ça, j'ai presque réussi. J'ai presque réussi du premier coup, quoi. Ok, donc là c'est faisable, c'est largement faisable. Donc là, faut que j'y arrive sans mourir. Vais-je y arriver? Bah voilà. En se concentrant un minimum. Oh là là, non, fallait pas que je chope ça par contre. Fallait pas que je chope ça. Donc j'ai l'impression d'avoir vieilli du visage, c'est triste. Alors je te rassure tout de suite, t'as vieilli du visage, c'est obligé. T'as pris 10 ans, mec. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui m'arrive? Transformation! Padapapam, papam! Oh, par pitié, faites-moi un truc simple. Merde! Attends, il récupère le truc! Oh, Yoshi, viens! D'accord, ok, j'ai compris. C'est où le dernier? Il est là. Vu? Non, oh, voilà, c'est ça. Redonne-moi. Oh non! Arrête! Oh Yoshi, 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 Yoshi. Ok. Pam, 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 pam. Et voilà. La petite étoile cachée. Papapam, papam, 16. 3 heures de jeu, j'en ai eu 16.
Ouais. Eh bien, petit, t'en avais goûté des étoiles, hein. On va inscrire combien t'en as sur ce panneau d'étoiles tout neuf. Ouais, ouais, Moussaillon, c'est le panneau à côté de la roue du gouvernail, là. Passage, tu peux aussi t'en servir pour savoir où se trouvent les autres étoiles. Bien, non? C'est pas mal. C'est pas mal, franchement, par rapport à Galaxy 1. C'était... Oh là là, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, comment c'est bien. Ils ont pensé à faire ça. Eh bien, petit. Ouais, non, mais ok. Non, mais non, c'est, non, c'est bon. Ah, c'est bon. Et arrête de brasser, tu vas me le dire. Hop. Et du coup, je vais vous laisser là, YouTube. Regardez. Hop. Sauvegarde et on quitte. Des bisous.